Bonjour, nous sommes aujourd'hui le mardi 5 mars et je vais vous montrer quelque chose que j'ai observé. Oh, par moment, venez, suivez-moi. Un arbre vient d'être planté là. Tout du long. Piqué là. Et là aussi. Et regardez ici. Tiens, un arbre. Des travaux au stade d'Ovide. Waouh, les Aspen Tower. Et sur la droite, le tulipier en fleur. Oui, et dans le fond, un nid de frelons asiatiques. Waouh! Des plantations viennent d'être effectuées. Regardez, il y a un grillage autour pour les protéger. Regardez. Oui, tous les jours il y a quelque chose de nouveau par moment. Et je viens de remarquer quelque chose. Regardez, un arbre vient d'être planté. Je viens de remarquer encore quelque chose. Cet arbre à droite a été planté, mais également il y en a un autre à gauche. Il est fort probable qu'ils attendent d'être plantés. À moins qu'ils aient été coupés. Mais ça y passe. Allez, maintenant je vous amène au chemin de la sérénité où j'ai remarqué quelque chose tout à l'heure. Il faut rentrer et on va regarder à droite ici. Eh oui, regardez, vous ne remarquez rien? Oui, oui, toutes les fleurs fanées ont été coupées. C'est net maintenant. C'est super. Ils ont dû voir ma précédente vidéo. Regardez, les azalées commencent à fleurir.
Et puis ici, j'ai l'impression que les flafanés ont été coupés. Voilà, c'était ma vidéo de ce mardi 5 mars pour vous montrer qu'il y a eu des plantations au Parbeaumont et également qu'il y a eu une nouvelle plate-bande et des travaux près du stade d'eau vive. Et en rentrant, je viens de vous montrer que les fleurs fanées ont commencé à être coupées au jardin de la Sérénité. Et vous donne rendez-vous pour voir de futurs WDD Méchonnier. On vous a bientôt.